Alors c'est le coucher de soleil à Siesta Beach. Je veux juste vous montrer à quel point c'est un lieu de rassemblement le soir ici. Je vous l'ai souvent dit, Siesta Beach, c'est réputé non seulement pour sa plage, mais également pour son coucher de soleil. Alors regardez à quel point il y a du monde. Je vais vous faire une petite tournée rapide des gens. Et vous allez voir que c'est un vrai spectacle ici. Alors, on vient dans l'ouest de la Floride, évidemment, pour peut-être le côté plus sauvage, plus relax, mais aussi pour ses couchers de soleil. Je peux pas vous le dire plus que ça. C'est vraiment magique. Alors, voilà à quoi ressemble Siesta Beach en soirée. Il est à peu près 6h30. Alors, ça vous donne une petite idée de l'atmosphère qui règne ici. Et je le dis souvent, quand vous assistez à un coucher de soleil, ne partez pas tout de suite après que le soleil se soit couché, parce que vous allez avoir accès à vraiment de magnifiques couleurs. Alors, les gens, normalement, restent toujours une petite demi-heure de plus pour pouvoir admirer le ciel coloré. Alors, voilà donc... le coucher de soleil. Je vous laisse encore un petit 20 secondes, un petit moment zen de coucher de soleil. Alors voilà, dans quelques secondes, le soleil va disparaître complètement. Alors, c'est ça la vie ici, à Siesta Beach, à Siesta Key, pas très loin de Sarasota.